Eh bien, salut à tous et à toutes. Oh, pardon, excusez-moi. À tous et toutes. Ah, ouais. De retour pour ce. Pour bah, ce 3. Octodad, hein. Octodad, ouais, parce que je sais plus le nom de l'épisode. Eh bien, tu vois, c'est pour ça que je me suis pas lancé dans. Ouais, voilà, dans ce genre de. Ah, l'enfant. Non, faut pas le foutre. Ce poisson boule. Bah, c'est notre fils, ça, non? Eh, hey, Tommy. Tommy. Bah, du coup, maintenant, il nous reste plus que Stacy à trouver. Qui est dans le grand fond. Discover the deep, dark sea. Hop là, allez, tu viens avec nous, toi. Attends, j'arrive plus à trouver comment on contrôle mon bras. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Nous rappelons que je joue juste avec un bras droit et que mon frère dirige les trois autres membres. Hein. Si vous voyez à quel point c'est... Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton. Attends, viens ton présentateur en carton. Voilà. Wow, regarde, il fait du breakdance et tout, le truc. Ah, pourquoi il y a une flaque d'encre dans l'ascenseur? Écrasé contre l'ascenseur, quoi, non mais... Oh, mec, oh là là, cette violence. Cette journée de merde. Violence. Vous pénétrez maintenant dans les grands fonds. Non, on va pénétrer en profondeur. Je suis moi-même mystérieux, je veux aller voir. Je crois que ça marche plus. Oh, il est. Papa, c'est toi? Non, c'est le Père Noël. Je suis perdu. It's not me. Terminé la piste de danse. Attends, on se met un petit chapeau. Où ça? Celui-là, là. Le friat, là. Voilà. Eh, regarde, c'est mis... Ouais, un chapeau méduse, elle. Les prédateurs, regarde. Faut terminer la piste de danse. Comment ça? Seriez-vous capable de les chasser dans l'obscurité? Stand to start. Attends. Faut appuyer. Ah, voilà. C'est parti. Hop. Quoi, tu veux pas manger du... Faut aller sur les cases. Ok. Là, par là. À là-bas. Oh putain, ça commence à devenir chaud, là. J'ai deux cases. Oula. Ouais. C'est la dance. La dance du poulpe. C'est le dance floor du poulpe. D'ailleurs, il y a que des poulpes, d'ailleurs. Waouh. Attends, je commence à... En fait, faut compléter les barres. Peu importe si tu trates des cases, en fait. T'arrives à fond, là-haut. C'est juste que... Tu galères? Ouais, je vois rien en plus, là. Ah. Attends. Attends, mais si, c'est pas que... Non, mais je vois rien par rapport au noir, tu vois. Ça y est, on l'a fini. Et le con, là. Vous avez l'étoffe d'un prédateur. Prenez la lampe de secours et descendez. Ok, je la prends. C'est moi qui prends la lampe. Hop là. Moi, je vais attraper la gamine. Ah ouais, faut secouer la lampe pour qu'elle marche, quoi. Oh, le truc bien chiant. Ah, mais faut retourner derrière. Non, faut aller devant. Bah, c'est bien ce que je me disais, faut aller devant. Non, faut aller par là. Ah, les bruits sont vraiment horribles. Descente d'ascenseur, là. Oh. On dirait pas des vrais, on dirait des robots, hein. Ouais, mais oui, pas du tout. Ah, mais c'est pas des vrais, arrêtez. On dirait des méduses aliens. Ou des vieilles lampes, voilà. Tu sais. Ça rend pas ce que c'est. Tu sais, ils ont mis des vieilles lampes dans leur aquarium, tu sais, regarde. Big. Donc, fiche. D'accord, 15 centimes. Lanterne fiche. Mais la lampe sur... Bah non, ça change rien. Ah non, d'accord. Et... Oh. Il est gros, il est dégueulasse celui-là. 20 centimètres. Elle se fout de ma gueule. Oh, je vais la péter. Merci. Non, mais il suffit de se barrer en fait, il suffit de la guider au milieu des méduses. On s'en fout, bien. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Oh non. Non, y'a rien à faire. C'était juste parce que c'est un passage écœuré. Ah, c'est pas là. Ah oui, j'avais peur. Oh putain, il y a un scientifique là-bas. Où ça? Là, de l'autre côté. Là-bas, là, avec sa lampe torche. Regardez les enfants! Ah, c'est les profondeurs. Ah, tu l'as mis une branlée, la petite. Fais gaffe. Merde, pardon. Tiens! Donne-moi la lampe parce que oui, tiens. Vas-y, passe. Vous quittez la salle majestueuse des méduses. C'était pas très majestueux. Franchement. On est où? Elle est où l'autre conne avec ma lampe? Elle est là. Donne la lampe. File la lampe. Donne la lampe. Connasse. Ah bon, bah elle veut pas. Elle veut pas. Hey, tu es un membre. Faut faire quoi avec ça? Ah, faut l'écœurer, je crois. Ça marche pas. Regarde. Ah, parce qu'il faut peut-être mettre un endroit particulier, non? Où il y a l'électricité qui marche pas, attends, je crois. Ah, mais il y a un qui marche ici.
C'est un musée en cas, c'est un musée sous-marin en carton. Maintenant, c'est quoi ça? C'est des crayons. Des crayons. Ah d'accord. J'ai compris. Ouais, mais c'est quoi ces prises? C'est des grosses prises. T'es allé hop. Hop là. Ok, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, bon. La bleue sur la bleue. Alors, le fil vert sur le fil vert, le bleu sur le bleu. Et le marron, il va là, je crois. Tiens, Stacy, viens. Je vais te scotcher au mur. Attends, il y a le marron qui va là. Attends, je voulais scotcher Stacy. Ah, oh, saloperie de câble. Voilà. Non, il y a aussi le rouge. Tu vas scotcher au mur. C'est quoi ça? Ah, des crayons. Casse les crayons. Prends ce de la merde. On a cassé les étagères, mec. Bon, bref. Ah bon. Allez, ça dégage, voilà, là. Ils ont fait le gros bordel. Il est où le rouge? Ah, il est là. Il est où le bout du rouge? Il est là, il est là. Ah, attends, tu l'as? Ouais, il est là. C'est une drôle de prise. C'est du triphasé. C'est du triphasé. Bzzzt. Ah, je sais pas si je passe. Ah, si, ça si, va. Si, ça passe. Hop là. Ah. C'est celui qui habite dans ton armoire? Sérieux? De quoi? Je suis pas la fée, celui qui habite dans mon armoire! Bien sûr qu'il habite dans son armoire. Ah non, d'accord, faut écrire les trucs selon les chiffres, je crois. 3, il y a écrit 1 là, donc 2 c'est où? 2 c'est là. Et le 3, je crois que c'est. C'est qui a dirigé le 3? Tu pourrais. Là, ça doit être là-haut là. Ce poisson meurt! Vas-y, décale, décale. Là, il y a le 3. Oula, c'est quoi là? J'ai eu un problème de bras. Ouais. Voilà. Ah ouais, bien vu! Non mais. Ah putain, ouais, je crois qu'il nous éteignait tout parce que c'est des gamins. Bah. What the fuck. D'accord, c'est un poisson câlin. Ils sont où les dents là? Le gars, quand même, t'as remarqué, le mec il a la voix la plus sinistre du monde quoi. Je vais vous manger. Non, il a fait Ah. Quoi? Ah, je crois que... On va avoir du mal à monter, je pense, parce que les escalators ils descendent. Mais... l'ascenseur il marche pas. Merde. Attends, on peut pas appuyer sur le bouton? Ah mais non, oh, c'était le bouton de l'ascenseur qui marche pas. Y'a rien qui fonctionne dans leur merde. Faut rappeler un plombier. Pff, un plombier, un électricien pour refaire tout ça, c'est pas possible. Ils vont faire les tuyaux. Monte. Allez, monte. Vas-y, moi je te soutiens avec le temps, ta gueule. Ah, c'est pas ouf du tout. Allez, j'appuie. Hop là, voilà. Ouais, lève les jambes plus haut. Je ne peux pas monter l'eau. Et vous voyez comment moi je le fais alors? Connasse. Attends, fais voir, c'est pas resté en bas. Non, elle va monter. Bah si elle monte pas, ça avance pas le jeu. Oh d'accord. Elle est montée au moins? Mais oui, oui, elle est là. Bon bah c'est bon. Allez, vas-y, monte. En fait, faut juste... Faut avoir la bonne technique. Ouais, faut juste que je sois bien droit et que j'arrive à... Ah, tu fais un grand écart dans les escalators, vas-y, continue. Ah. Yeah, voilà. Tu t'arrives en haut tranquille, t'es avec... Plouk. Déjà? Y'a que des méduses dans le grand fond? Bah purée. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est triste la faune et la flore du grand fond. C'est nul à chier même. Dans les abysses, il y a rien. Rien du tout, à part des méduses. Merci d'avoir visité cette exposition. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Faut la pousser dans l'eau. Elle a marre de nous, elle se jeter en l'air. Employé ni... Bon bah... Je suis pas employé. Bon, jouer les Scarlett au-dessus de l'aquarium. Bon bah hop hein. Mais respire pas. Pour respirer sous l'eau? Alors regarde ma chérie, c'est magique. Ils ont tous... des branchies. Ou des bouteilles d'oxygène dans leurs branchies. Ou ils respirent pas. Qui sait? Faut aller par où? Bah par ici. Par là. Je sais pas, ils ont montré la porte employé au nid et je me suis dit c'est celle-là. Et l'autre, elle a pas vu qu'elle avait écrit employé au nid, elle est montée là-haut. Elle s'en bat les couilles. Elle, ça se trouve, elle s'en fout. Donc, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la bouffe à poisson, attends. On peut mettre des bottes? Des bottes? Des bottes? Et c'est mon habit! Je vais être un humain pour vous la première fois de ma vie! Je crois que c'est de la bouffe à poisson ça. Bah attends, prends-en un seau, ça peut être utile. Ok. T'en prends deux, tu vas nourrir le requin. Non, attends, je vais prendre de l'oxygène au cas où! O2, il y a pris en dessous, je sais pas ce qu'il y a écrit. Bon, on va dire. Showtime! Showtime, 10h, 1h, 4h. Please be patient. Hein, quoi? Ils ont dit de patienter. Comment ça, patienter? Bah si on veut pas patienter, on fait comment? On fait ce qu'on veut. Moi je saute dans l'eau, on m'en bat les couilles. Allez, on va faire coucou Scarlett. Ah, le saut derrière. Ah. Merde. Tu m'expliques? Tu me dis qu'est-ce que le cuistot vient aussi foutre ici? Et surtout, comment tu fais quand t'as vu comment fondre un mannequin avec un balai?
C'est vrai que c'est bizarre. Mais ce cuistot, il est toujours là, ce cuistot. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est fou. Par contre, il a un chapeau énormément grand, quand même. Est-ce que c'est pour compenser un manque? Hein, peut-être. Et peut-être qu'il y a un... Ouais, d'accord. Autant d'où tu viens. Octopus! C'est quoi cet italien vénère? Ouais, c'est clair. Bon, voilà, on est de retour dans notre milieu naturel. C'est magnifiquement nul! On est nu. En plus. On a plus de costard. T'es à poil dans ton milieu naturel. C'est ça. Quelle horreur. C'est nul! On a un petit temps de chargement avec toujours le petit tentacule dans le coin. Voilà! Oula, où est-ce qu'on en est là? Comment est-ce qu'on passe d'un. Je crois qu'on a un souvenir. C'est. Un souvenir. Ok. Oh, en mais. Plus, en plus, on a le mal de mer, quoi. Alors, faut éviter de se faire opérer, je pense. C'est rien, gros, t'inquiète. C'est juste un poisson comme un autre. Tiens, hop, j'ai un petit creux. Ah, bah, si, attends. Il est où l'autre poisson là? On va se battre. Putain, les caisses elles sont vraiment pas solides. C'est quoi un monstre marin? Oui. Un kraken. Faut pas le toucher, je crois. Attends, je crois qu'il faut attraper la tasse. Trouver un remontant. Ouais, c'est bon, du café très solide. Ouh. Ah bah y'en a plus. On a tout foutu par terre. Ouais putain, alors là... Allez, bon courage. Ouais non, je me... Ah mais c'est vraiment par là? Oui, c'est par là. Oh non. Allez. Faut trouver la technique. Attends. Si tu mets une jambe dans chaque trou, c'est pas mieux? Je sais pas. Comme ça, là. Là, voilà. Je suis là. Voilà. Par contre, on peut peut-être lâcher la tasse, non? Bah non, regarde, c'est nous le premier date. Faut pas se faire voir après. Ah putain, t'aurais pu me dire ça avant que je tombe là-dedans. Mais tu penses que c'est normal un poulpe qui se trimballe? Ouais. On est passé. Tu te la joues en méga speedrun. Ah bah merde, c'est pas par là. Si, on peut ouvrir. Non, j'ai pété la poignée. Oh, je crois que c'est par là. Et après, par là. Attends. Oui, c'était par là. Mais attends, ça s'est ouvert, du coup, il y avait forcément un mec, je sais pas. Non, il y a personne, je crois. Vas-y, rentre dans la cabine. De... Ah. Voilà. Ah, tu un vois, homme, un là. Homme à la mer. Tu vois, c'était là. Oh putain. Des bananes, sérieux. Mais y'a un mec là-dedans. Il est où? Trouver un déguisement approprié. Attends, on tourne la caméra. Faut ouvrir les casiers, non? Attends, on va virer toutes ces bananes. Ah, mais ils savent pas se nourrir, les gens! Non. Pas de déguisement là-dedans. Pas dedans non plus. Je sais pas pourquoi, mais je sens. Ah, ouais. Je sens que c'est là-dedans. Ouais, mais il faut la clé. Je crois que la douche n'est pas accessible. Donc, faut fouiller dans tous les casiers et essayer de trouver une clé. Oh! Oh! Là! La clé! Elle est là, la clé! Ah! La clé! La clé! Vas-y! Voilà, tu l'as! Voilà! Ouais. Par contre, c'est quoi ce bordel avec toutes ces bananes? Tu m'expliques aussi? Ah, mec, je crois qu'ils savent pas bouffer des bananes! Voilà! Ah! Attends! Attends, vas-y, j'ouvre la porte et prends le costume, parce que là! Voilà! Eh, hey, habillement express, Arturo Brachetti. Hop. Salut, je suis votre nouveau batelier. Hein. Et l'autre, il s'est pétonné. Ouais, t'inquiète, bon. C'est vrai, on passe pour un humain, on a un énorme crâne, mais bon... Tout va bien. Allez, c'est parti. Tu fous de la paquet. Bon, fous de la paquet. Attends, c'est là, la Pascal, j'espère. Oui, c'est là. Je crois qu'on tient le roi des... Tiens, dans ta gueule, le roi des tentacules. Rejoignez la Pascal. C'est où, la Pascal? Putain. Je crois que c'est par là-bas. Oh mec! Hop là, je crois qu'on devrait se mutiner. Ah, faut astiquer le pont. Ah, donc non, il faut aller chercher le balai qui le est juste là. Le balai qui est juste là. Allez hop! Ah bah tiens, je te le laisse.
Bah, guide-moi, il gesticule le pont. Là, 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 là. Voilà. Oh putain, c'est le coup de balai le plus rapide. Ça fait des bruits de canard en plastique. Ouais. Vous entendez bien? Il pensait à un petit canard en plastique. Mais what? Il est à fou encore. Ah voilà. Putain, mais il lave comme des pieds. Et, regarde, moi je passe un coup de Swiffer et hop là. Et regardez, un coup de balai Swiffer. Et ça enlève toutes les taches sur le bateau. Attends, déjà faut que je le fasse dans le bon sens. Presque toutes les tâches, hein. À condition de passer le balai dans le bon sens. Ouais, mais aussi, attends, si j'arrêtais de faire la boutique, je... Ça glisse. Mais putain! Une putain de savonnette. Mais mec, je suis entre les deux. Ah. Non, mais... Voilà. Putain, dans ta gueule, toi. Voilà. Non, pas, pas à côté, hein, pas dans l'eau. Putain, mais il y a des tâches partout, ce bateau, il est dégueulasse. On court dedans, mec. Voilà. Il y en a encore une là-bas, je crois. Ah ouais, là, au fond. Oh, c'est pas vrai. Allez, voilà. Hop, nettoyer le pont, c'est fait. Allez, où? On peut lâcher le balai. Levez l'ancre. Levez l'ancre. Bah, je sais pas. Levez l'ancre maintenant. Tu peux lâcher le balai peut-être. Ah, mais putain, je le tenais. Ah oui. D'accord. Bon, bah écoute, hein. Votre système, c'est de la merde. Ah, bah faut le lever à l'ancienne. Voilà. On a levé l'ancre. Non, c'est bon. Y a plus qu'à rejoindre la passerelle. Putain. Il y a toujours la fusée écœurante qui brûle. Attends, j'ai ma jambe qui est bloquée. Ah voilà. Maintenant, on peut aller tout droit. Non. Non, pas par là. Bah si, c'est rejoindre. Non, c'est là-bas en bas. Ah ouais, t'es sûr? Oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est là où il y a les caisses, là, je suis sûr. Ah ouais. On est pas de ce côté, de l'autre. Ah ah. On a cassé la boutique. Ouais, je vais vous appeler. C'est la mer à boire. Ah ouais, attends, y'a un type là. Y'a un type là, donc ça doit être pas là. Bien voilà. Ça sent le poulpe. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Regarde-le, il est dans un coin. Ah oui, il est là-haut là. Hop. Oh. Oh, bah voilà. C'est moi le capitaine du bateau. Hop. C'est bien que je sois sorti de la douche. Faut pas la mettre la casquette? Ah voilà, si. Hop. Prends ma longue vue. Non, pas ça. Voilà, boulon. Double longue vue. Une pour chaque œil. Je vois à 50 km à la ronde. Capitaine sur le pont. Sortez-nous de cette merde. Sortez-nous de cette tempête. C'est pareil, c'est de la merde. Ouais, on fait comment pour sortir de la tempête? C'est sûr que c'est par là qu'on doit être. C'est pas par là? Bah, je sais pas du tout en fait. La passerelle, c'est pas cette porte là? Non, je crois que c'est fermé. Donc, non, faut aller en bas. Faut aller en bas. Bah, faut aller là où il y a de quoi guider le bateau, non? Oui, mais ils disent de rejoindre la passerelle, donc... Où la passerelle, ça se trouve, elle est... Faut peut-être aller voir au bout là-bas, hein. Ouais, si tu vois, c'est ça. Ah, je pense, ouais. Voilà, c'était de voilà. Ce côté. Voilà. Faut passer par-dessus la caisse. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Je suis en train de me lever avec la caisse, en fait. Il n'y a pas de gravité dans ce jeu, bonjour. Ouais. On passe par-dessus. Hein. Ouais, 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 tu vois, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Au final. Il y a une totale absence de gravité. Il y a 0% de gravité. Regarde. Eh, hey, bonjour. Je passe même pas par l'escalier. Eh, voilà. On a rejoint la cabine. Voilà. Attends, attends. Nettoyer la carte, hein, parce que c'est un gros bordel ici. Ça y est, je m'absente à la douche, c'est bon. C'est le Dawa, quoi. Et vous abusez à faire à quoi, là, jouer au Playmobil sur ma carte? Ouais, c'est ça, ils jouent à la bataille navale, les monstres. Putain, fous-moi de la bataille navale. Tiens. Ouais, voilà. Allez, on dirige le bateau. C'est ça que t'as pas dirigé un bateau. Attends, attends, démarrez les moteurs. Mais ouais, ouais, attends, parce que justement, il y a ça. Voilà. Stopped, full speed. Wouhou. C'est bon, il faut démarrer l'autre aussi. Ah merde. Tu peux le lâcher? Parce que l'autre, il est pas démarré, en fait. C'est le bot starter, il est là. Attends. Vas-y, monte le truc. Faut le monter ou faut le descendre? Faut le monter. Hein? Ouais. Non mais non, attends. C'est-à-dire que s'il descend... C'est... Maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il y a deux trucs full speed sur celui-là. Ah, voilà. Bon, et là? Est-ce qu'il marche? Oui, ah voilà. Je comprends mieux maintenant. L'eau et son Poséidon et son immense barbe de palourde, d'accord. Ouais. Qui est cette femme?
Ah, donc maintenant faut repartir sur le pont. Wow. Mais si tu tiens le truc aussi. Allez, attends. Attends, faut pas sortir par l'autre porte qui est là-bas. Y'a pas une autre porte? Je suppose que oui. Si, voilà. Bon, le bateau il se dirige tout seul, hein, vous démerdez les gars. Les portes c'est du plastique, les portes. Oh putain. Démerdez-vous les gars, moi je vais voir ma femme. Putain. C'est moi le capitaine, il a l'air plus visqueux que d'habitude. Non. C'est bon. Parce que... En fait non, faut pas passer par là. On s'est fait baiser. Trouve un moyen de briser la caisse. Ah bah... Moi j'ai trouvé. Faut remonter, regarde, y'a le truc qui clignote là. Il est où? Ah bah d'accord. Faut arracher la barre en fait. Mais non, faut... regarde. Ah oui d'accord. Faut tourner d'un coup. Regarde. La paix. Ça n'a rien fait. Voilà. J'ai rien dit. C'est bon, c'est fait. Tu peux lâcher le gouvernail. C'est bon. Allez, go. Ah oui, la télé. Non, c'est une radio. Qu'est-ce qu'on fait sur notre radio? Bon, c'est pas... Oh, mon Minitel. On peut la jeter. Non. Boîte de merde. Allez, dégage. C'est de la merde. Y'a des poissons partout encore. Comment ça? Bon, c'est quoi cette hallucination? C'est encore un balai et un se cache. Ah non, cette fois, c'est la vraie. What? Gasp, capitaine. J'ai mes excuses d'être montré. Non mais... Ah non, c'est quand ils se sont rencontrés. C'est la petite rencontre en fait. La naissance de l'amour. D'ailleurs, je crois que c'est le titre de la vidéo. Ouais, y'a des chances. Oh merde. Pourquoi est-ce qu'on devait parler au chef? Casser la gueule. Je vais pas chercher clandestin depuis le départ. Parler au chef. Bon bah... Bon bah on va devoir lui parler. Ah mais non, puisqu'on est le chef. Je crois que vous avez changé, capitaine. Ah bon? Moi tu me juges, moi? Moi tu me juges, moi? Danser la gifle du capitaine. Regarde-moi ça, mon con. Est-ce que t'as déjà vu une gifle aussi belle de ta putain de vie? Hein? Bien sûr que je bouge bien. Ouais, t'as vu? Eh hey ouais. Regarde-moi ça, ça c'est du poulpe irlandais. Vous dansez bien la gigue. Bah t'es, je veux, je suis le capitaine. Essayez vous faire un nœud. Essayez vous faire un nœud jambe de chien. Ouais, regarde. Je peux faire un nœud à ta jambe de chien. Regarde. Faire un... Et comment est-ce qu'on est censé faire un nœud en jambe de chien avec... Pour le... poser... Comme ça. Non. Mais attends. On était presque là. Voilà. Sérieux? Vous n'êtes même pas humain. Ah bon? Si. Ça se voit tant que ça? Non. Eh, hey, le gros costaud. Arrête de me toucher. Oh putain! Mais non, c'est parce qu'il nous voit! Mais non, je vais vous faire tomber à la mer! Non, mais faut pas le toucher. Faut le faire avec le gouvernail, je crois. Heureusement que tu me l'as dit. Ouais, tu vois, regarde. Putain, on est passé à deux doigts de la merde. Ah bah ouais, c'était... pour moi, c'est tu prends le mec, tu le tèges à la mer. Hein. Ouais, non, c'était trop facile sinon. Bah non, c'était mieux. On a un poulpe, on a pas de bras, on a pas de busque. Et alors? Alors voilà. Regarde-moi, c'est long bras... Tout mou. Ah, faut attraper, attends, le full speed. Bon, on peut attraper le full speed. Voilà. Si. Voilà. Oui. Allez, hop là. Oui. Bon débarras, le cuistot. Bab dans la gueule. All right. So what about you, mystery man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. Tu me répondras quand je t'aurai fait deux enfants. Would you care for a dance? Une gigue? Tu veux qu'on danse la gigue? Tu veux faire la gigue du capitaine? Oh putain! Il nage vite ce con! Ça va se demander s'il va pas plus vite que le bateau. C'est presque ça, ouais. Allez, on danse. C'est pas la gigue ça, oh! C'est un slow. Et alors, elle est où la gigue du capitaine? Bah, on va pas la danser avec tout le monde, la gigue du capitaine. C'est trop... Tu la tèges à un moment. C'est mieux de danser avec le cuistot.
Et puis voilà. Je vais faire tomber la manette. Attends, il sort d'où notre costard? Ah non, je suis con. Oh, c'était le costard du capitaine. Ah oui, je suis con. Le capitaine qu'on ne sait pas où il est d'ailleurs. À la douche. Et il a traversé le pont à poil? Non, non, il a pas traversé le pont. Un poupe à le poil. Ah, c'était vraiment juste un souvenir? Ouais. Donc, attends, bon bah écoutez, on va se quitter sur cette première partie. Attends, avant de te dépresser, on va vous quitter sur cette partie. Et puis on vous dit une prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao.